Salut à toutes et à tous, les petits amigos. Tel que vous me voyez, je suis en train de pêcher des perches depuis notre petite basette. Alors, il s'avère que si je pouvais pas pêcher la fois précédente, c'est parce qu'en fait, soit à l'intérieur ça veut pas, soit il y avait pas assez d'eau. Donc, bah écoutez, je me mets à la fenêtre et je pêche. On va essayer de se faire quelques poiscailles. Il nous en est arrivé une petite. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je ramasse un ou deux poiscailles et j'arrive. Allez, bon, écoute, ça se passe pas mal, hein. On a fait une perche et trois au moule, là, la pêche au moule. Donc, donc on a nos vers de terre, hein, nickel. Donc il suffit d'avoir une pelle et puis d'aller creuser dans le sol pour récupérer des vers de terre. Je vais ranger mes vers de terre et puis alors par contre je vais vous montrer le problème, le petit problème. Je sors prudemment. Voilà le problème. Le problème c'est que, vous vous souvenez, on avait une porte comme celle-ci sans serrure qu'on avait mis là. Je l'ai démonté pour mettre une porte avec serrure. Le problème maintenant, c'est que ma porte avec serrure... mur et porte avec serrure. Voilà, j'ai le message en permanence. Ce module doit être fixé au châssis. Alors, est-ce que c'est parce que... Alors, j'ai tout essayé, hein, bien entendu. Hein. J'ai monté, baissé, je suis allé à l'extérieur. Enfin, quoi qu'il en soit, rien n'y fait. Est-ce que c'est parce que la zone arrive vraiment en limite ici? Je sais pas. Ou est-ce que c'est parce qu'on a des... Parce qu'on a des toits au-dessus qu'on ne peut pas enlever, hein. De toute façon, les toits... Une fois que vous les avez mis, les toits, c'est fini. Hein. Voilà, désassemblé. Hop, l'objet est bloqué. Donc, on est cravaté pour le moment. Bon, c'est pas très grave. L'essentiel de la base, c'est quand même la partie habitation. Qui, elle, est verrouillée. Mais bon, on va voir, on va voir. Donc, ce que je vais faire, je vais dépiauter mes poissons. Je vais faire attention à mes voisins, là-bas. Hein, j'espère qu'on fera un pacte de non-agression avec eux. On va foutre les poissons par terre. On va les déchiqueter. J'en avais déjà fait un petit peu. Donc on se retrouve quand même potentiellement avec une source de nourriture des plus intéressantes. À la maison. Allez, on découpe, on fait cuire. Et je retourne dans la cambrousse rejoindre staff. Et puis on va voir ce qu'on fait aujourd'hui. On va aviser. On verra. Ok, je guette. Bon, je vais reprendre staff en vocal dès qu'il arrive. Et puis on avise. Allez, à tout de suite. Bizarrement, il n'y en a que deux. Allô? Allô, je vois des cadavres. Des cadavres? Ouais, tu vois des gens morts? Je vois des gens morts sur Kimik. Je crois qu'il y en a qui ont fait la ah, T1 il n'y a pas long. Le symbole de validation de la mission, il n'y est pas, mais... D'accord. Mais il y a deux cadavres. Comment ça se fait que t'es vers Kimik, toi? On s'était déco plus bas, non? Bah ouais, mais je suis allé sur la montagne, tu m'as dit d'aller sur la petite butte. Alors la butte qui était au sud. C'est plus au sud. Ouais, c'est pas grave, t'es sur Kimik, là? Ouais, à l'est. La colline qui est juste à mi-chemin, là? Juste à l'est de Kimik. Ok, bah écoute. Kimik est juste à droite sur la ligne verticale. Et ben, soit tu... F9G9. Soit tu me rejoins sur la dernière colline sur la ligne verticale, soit je te rejoins, comme tu veux. Vas-y, bah j'avance vers toi. Et bah écoute, suis la ligne verticale. Ah oui, c'est la colline, et puis. Ouais, d'accord. Alors, par contre, attention, il y a une base. Moi, je suis juste derrière la base, là, mais elle a pas l'air très habitée. Ouais, là, c'est grosse quand même. Je pense qu'ils sont, ouais, ouais. Je pense qu'ils sont plusieurs là-dedans. Ouais, mais je pense qu'ils sont. Là, à mon avis, ils sont en RTT, là. Ouais. Ouais, ouais, je suis juste. Oh, je te vois. Ils ont une porte qui donne sur le vide. Je suis derrière, je saute, regarde. Entre les sapins. Je te vois pas. Dans ton axe, pile dans ton axe sur la colline. Ah oui, je te vois. Eh, c'est moi, Gila. Venons vite. Ah la vache, pour te voir. Ah si, on voit un peu quand tu bouges. Si, si, là, je te... moi jumelles. Par exemple, là, si tu bouges, je te vois. Hein. Parce ouais, qu'en fait, t'es, jumelles, ouais. T'es très noir. Tu sais, ça fait vraiment pixel rajouté sur la map, quoi. Ouais. Mais c'était marrant avec les jumelles. Bah ouais, ouais, ouais. Le petit bonhomme. Bon, ils ont pas l'air d'être là, les gros pépères, là. Où es-tu? Ouais. Je suis là. Invite-moi. F5, 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 F5. Ouais, good, good. Qu'est-ce qu'on fait, on rentre à la maison? Ouais, sauf s'il y a un truc en chemin à prendre. Eh ben, il y a une tire 1 chez Prodam, là. Bon, on l'a fait en vitesse, tant qu'à faire. Ouais, bah c'est sur notre route, par politesse, quoi. Bah ouais. Tiens, je te donne à manger. Il y a une T2, il y a une T2, par contre. Où ça? Ah, plus bas, ouais. Juste ouais, en dessous, ouais, ouais, ouais. Bon, bah tiens. Viens, on essaye les deux. Viens manger un bout. En rapide. Tiens, fais ça. Mange ça. Je sais pas combien de temps ça fait que ça pop, mais... Je sais pas, on verra. Prends tes médocs, là, ça peut te servir. Ouais, je les ai posés parce que j'ai plus de place. Ah, d'accord. Bah, je vais manger aussi. Tu peux porter quelque chose, parce que oui, niveau bouffe, je peux là, me donner je un peu aussi. De trucs, quoi.
La balise, tiens. Ouais, exact. Ouais, je vais boire un petit coup aussi. Je vais remonter ma faim, moi. Alors, j'ai pêché de la poiscaille. Hein. Ah merde, ah, le médic. Attends, remonté, je te rends le médic, tu l'avais laissé par terre. Récupère-le. Ouais. Ah bah, le poisson, ouais. C'est maigre. Hein. C'est des trucs pour les hippies. Hein. C'est pas une vieille entrecôte. Hein. Ah ouais, non, c'est... putain. C'est un truc, c'est pas pareil, quoi. Ça combien de points, ça? 10 5 Après, la T2... Pff. Si t'as trop de trucs sur toi, on peut limite passer à la messe, ça nous rallonge pas. Hein. Alors, on essaie d'enchaîner les deux, on verra bien. Ouais, vas-y. T'as pas, tu prends pas ton médoc là? Ah ouais, merde. Vas-y, laisse-le par terre, on s'en fout, il est devant moi là. Pied droit. Ouais, voilà, c'est bon. Ouais. Ok, là, bon, on part sur Prodame là, comme d'hab. Ouais, là t'es 1 en vitesse. T'as pas des balles de 12 toi? Oui, mais on rentre dedans, on bourrise. Non, j'ai. Non. Putain, j'ai un joli 12, j'ai pas de balles. Bon, c'est pas grave, j'ai une calache. 308, hein, si tu veux, ça ne sert à rien parce qu'on n'a pas d'arme 308 et non, ça, c'est rare. J'arriverai pas à le faire rentrer dans le 12. Ah, là. Si, j'ai du 12. Si, j'ai du 12. Si t'en as quelques. Ah, oui, j'en ai 25. Eh bah, écoute, parce merci bien. Nickel. T'as, c'est vrai que j'ai mangé deux bouts de poisson, ça m'a donné, quoi, ça m'a donné 30, quoi. Même pas. Bah, je peux te redonner deux. Hein, non, mais j'en ai encore, moi. J'en ai fait 4 chacun. D'accord. Ouais, j'ai pêché un peu de la fenêtre, ça pêche. Bon, on n'est pas à la merci de se prendre une balle dedans. Ouais, de la fenêtre. Ah, pas mal. Après, ouais, par contre, si faut les vers de terre. C'est grave, on est à l'intérieur. Faut les vers de terre. Faut que je teste la pêche avec vers de terre, j'avais jamais testé. Bah, tu sais, tu prends la pelle, tu vas dans notre cour, là, tu creuses, tu récupères des vers de terre par 2 ou par 4, ça dépend. Ouais. Et puis après, tu pêches. C'est tout. Alors, le truc, c'est que même si tu rattrapes pas de poisson et que tu ramènes ta ligne, tu bouffes un vers de terre. Ouais. Il sauve, on va dire. Ouais, c'est ça. Ah, c'est un peu con comme système. Ouais, bah, c'est pour c'est histoire que quoi. Histoire que ça te consomme un truc, quoi. Ouais, voilà. Moi, je fais un vite fait repérage rapide avec les jumelles ouais. Sur la zone. Ouais, chez Prodame, ça va être comme d'hab. Va falloir qu'on rentre dans le hangar là. Les IA sont calmes. Je vois personne en train de longer le bâtiment ou quoi que ce soit. Allez, on rush. Pas le temps de niaiser. Allez, on rentre direct dedans, on se met dans le hangar. Ouais, on rentre, on tue. Ouais, on essaye. On tue. Je vais commencer à regarder ce que je pourrais virer moi éventuellement. Oh, mais moi je peux te prendre encore des trucs si tu veux. Ouais. J'ai vidé mon sac moi. Non, mais t'inquiète, non. J'ai plein de trucs inutiles, hein. J'ai le 308, j'en ai 8. Oh, putain, il fait chier ce chevreuil là à chaque fois là. Fumier de chevreuil. Va falloir qu'on le tue lui. Hein. Terrine de chevreuil. J'ai de la toile de jute, pareil, ça sert pas à grand chose. Non, nous ça va pas nous servir. Allez, faut qu'on rentre direct dans la cabane, elle est ouverte. Allez, bruinage. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il y a du monde de là. Je ferme derrière nous. Oh, en face, il y en a plein. Eh, calmez-vous là. Venez, les petits amis. Attention, je vais grenader. Oh putain! Ça a bien marché. Non, je t'ai tué toi. Mais oui, non, ça a tapé. Elle a tapé dans la porte. Bah, je l'ai vu passer. Oh, c'est de la merde. Elle a tapé dans la porte, mais je réapparais à Kamensk. J'arrive en courant, vitement. Où suis-je? Non, désolé. Oh putain, ils m'ont mis où ces salauds? Non, tu sais où ils m'ont mis à Kamensk? Où? Je suis tout en bas de la banlieue sud. J'arrive quand même, faut que je retraverse toute la ville en entier. Bah, sinon je la fais en vitesse et puis on se rejoint sur l'autre. Bah je vais récupérer mon stuff quand même. Attends, j'ai une belle calache et tout, je vais pas leur laisser. Oh, la grenade qui rebondit sur la porte, je l'ai vu taper sur la porte. Magnifique. Non, j'ai chié dans la colle. Ah, c'est dangereux ces machins, faut faire attention. C'est la merde à jeter les grenades dans le jeu, ça ressemble à rien. C'est vrai qu'il n'y a pas de. T'as aucun indicateur de trajectoire ni rien, là c'est au feeling. Ah, hein. Allez, je nage, je fais la natation. Ah, un mosine. J'en profiterai pour regarder s'il n'y a pas un bateau qui traîne. La hache ou un UMR 45? On a une hache à la maison, mais on n'en a qu'une. Oh, l'UMP, on s'en fout. Ah, là. Ah bordel. Moi, c'est les UMP, c'est pas terrible, et en plus, faut avoir du 45, donc. Oh, ça se vend, les fumigènes. Après, le temps qu'on aille chez le trader, nous, on n'est pas arrivé.
Bon, je vais me soigner en attendant que t'arrives, parce que j'ai pris quand même quelques... les éclats. Quelques coups dans la tronche. Ouais. Les morceaux. J'ai pris des morceaux de Fred sur le nez. Je suis en train de nager en dessous du pont des suicidés, là. Putain, ils ont été salauds, ils m'ont fait repop à l'opposé de Kamensk, quoi. Ça pouvait pas être plus loin, là. Y a pas de bateau, apparemment, sur le quai, là. Ce que je vais faire, je vais longer la rivière, et puis je vais couper à travers Riverside, là-bas. Ouais. Je suis con, moi je traverse tout, je regarde même pas s'il y a des plaques en fer ou des trucs comme ça. On a une seule plaque en fer à la maison, hein. On peut pas refaire un coffre. Ah. Ouais, on me regarde vite fait, comme ça après on enchaîne sur la deuxième. Si on peut, ouais. Ah bah elle a disparu. D'accord. On enchaînera sur autre chose. Dommage. Bon, on peut fouiller la zone, hein. Il y aura peut-être des plaques, hein, dans la zone où il y avait la mission. Hein. Ouais, des plaques, des piles. La deuxième mission, à moins qu'elle ait été validée. La deuxième. Facile, inaboutie. Ouais, ouais, elle a disparu, la deuxième. Vous qu'on voit des découvertes. Je passe à la station vite fait, là, jeter un œil tant que je suis devant. La toile de jute, on s'en tape, on a dit. Il y a que dalle, là. Allez, go, go, go. Oui, je te vois venir. J'arrive, j'arrive. Impec. Je cours vitement. Bon, évite d'attraper les grenades. Oh, j'en ai sur moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Une pince? On a plus besoin de pince. Ah si, pour enlever les pièges. Ah, hop, hop, hop. Je jette mes habits. Sauf ma gourde. Je vais garder la gourde, on fera un stock de gourde. Il y a des balles de chasse là. Ouais, ça me plaît. Juste... ouais, je peux pas te le ping, mais... juste là. Je vais trouver. Bah, ce sera par terre, tu verras. Ici là? Non, non. Non, c'est pas là. D'accord. Il n'y a pas la place pour ça. Ah oui, je vois. Moi je récupère de quoi réparer les armes. Bah on a un établi maintenant en plus. Ah bah c'est bien, j'ai une paire de... une paire de pièces. Ouais. Allez, les assemble. Ah ouais, ah, non, là j'ai ta balle de 12. Il y a un sac à dos là, je sais pas si... J'en ai un. Ouais, quelle taille? C'est un normal? C'est un normal, ouais. Ouais, ouais, le gilet d'assaut là. Un sac à dos normaux. Une perceuse, bah tu sais quoi la perceuse? On va la désassembler direct. Ça va nous faire non, des pièces Non, j'ai trouvé ton cadavre, non. Eh oui, j'étais là. Non. Tristement. Oh, des pièces de rechange, magnifique. Y a pas des piles bon, là? Est-ce qu'il y a de la plaque? Oh, une tronçonneuse, enfin une scie circulaire, pardon. On peut désassembler le téléphone portable? Je crois, ouais. Ah non. Non? Non, c'est nul. On aurait pu récupérer un composant électronique. Eh ouais, mais le problème, c'est que tu spawns avec. Donc, ça serait vite le chi. Oh, des plaques en fer! Non, non, j'en ai non, deux! Non, le téléphone portable. Ah bah tiens, il y a du. Ah oui, non, le téléphone du composant portable. Électronique là, ouais. Je viens de trouver deux plaques en fer là. Est-ce que t'as besoin d'une gourde? Non, mais prends-la. Parce qu'à la maison, on a du stock, donc on fera un stock de gourde. Ouais. Bah, c'est pratique. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des kits de réparation. Hop, ça va gagner de la place. Quoique pas du tout parce que j'en ai de trop. Bon. Il nous faudrait c'est des piles. La toile de jute on s'en fout. Oui oui la toile de jute on s'en tape total. Oh une pile putain mais c'est magnifique chez Prodam là. En fait je me suis renseigné, Prodam ça veut dire vente. D'accord. Mais bon c'est chez Prodam ici maintenant, c'est comme ça. Donc le magasin s'appelle vente, normal. Ouais, ouais voilà, c'est un magasin de vente. Donc ils sont pas chier les ils Russes. Ils sont cohérents quoi. Tout ouais, va bien. Ouais, bah, ils font dans le simple. Hein. Ils font dans le simple. Pourquoi chercher compliqué quand on peut faire simple hein. Ah, il y a une bouteille là, je vais peut-être la boire, la flotte. C'est une petite bouteille, hein, donc je la prends pas. Ouais, non, prends-la pas. Putain, mais y a tout le temps des caisses ici. Hein. Tout le temps. T'as fait les bâtiments des bureaux là? J'avais quoi là-dedans? Ah non, il y a les bâtiments des bureaux. J'ai des. C'est pas ça que j'avais ici. Je suis perdu. Bon, pas grave. Non, j'ai pas fait de bâtiment de bureau. Très bien, moi je les ai fait là. Il y a une boussole là si tu veux. Oh, non, j'en ai une. Je la mets dans mon sac, ça, je l'aime pas. Je m'en sers que quand il y a la bagarre. Ah, tu l'équipes pas? Que quand il y a de la bagarre. J'aime pas avoir le. Moi j'ai d'indications à l'écran, mais au mieux je préfère. C'est moche sinon.
Ouais, ouais, ça se voit pas trop quand même. Ouais, mais c'est pas très beau. Parce qu'il y a plus beau, c'est sûr. Ce que je faisais des fois quand je la faisais ici, celle-là, c'est que je rentrais par là. Par ce côté là. Ici, là où t'es. Tu sautes le mur ici et tu te caches derrière et là t'es pas mal. T'es à l'abri. Ah, pas mal, j'avoue. Mm. Au moins tu peux les attendre à arriver quoi. Ouais, bah écoute, on a deux plaques en fer, une balise, décomposant. Bravo. Oh la vache. Je vais remanger un bout de poiscaille. Voilà. On va là où il y avait la mission T2 pour fouiller. On peut essayer. Je pense qu'il y a moyen qu'on y trouve des plaques là-bas. J'en ai deux pour le moment. Ah, c'est bien, déjà on a un coffre. Hein. Ouais. Un coffre de plus. Il y aura quelques IA à taper en chemin, je pense. Pas exclu, ouais. Ici on a quelque chose. Non. Putain, là c'est le carrefour. C'est carrefour de la mort là. Putain, il y a du visu sur nous. Un peu, ouais, grave. Partout. Prenons les buissons. Ah ouais, vaut mieux. Et faire le petit magasin là, des fois il y a des grandes bouteilles dedans. Il y a des fils de pêche, on s'en fout. Et il y a rien du tout. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient passés avant nous? Peut-être. Il y a devant. Ah, loin. On se met à couvert sur le bus pour les buter derrière le bus. Un peu plus loin derrière le bus. Ok, je change d'arme. Ah oui, je les vois. Par là. Je me mets sur le côté gauche du bus. Ouais, je fais à droite. Tu me dis dès que t'es prêt. Allez. Oh bah, ils étaient pas nombreux. Non. Patrouille anéantie. Il y a le magasin à droite sous lequel on peut récupérer des trucs éventuellement. Là, il y a un fusil à pompe M133 si tu veux. Avec les cartouches. J'ai un téléphone, moi là. Ah, Mosine. M133, j'ai le modèle supérieur, moi. Je ramasse même plus de chiffon, j'en ai plein. Ah, moi, je me contente de récupérer les pièces d'armes et les balles qui m'intéressent. C'est vrai que je pense jamais à faire les pièces d'armes, mais maintenant qu'on a un établi, ça va être assez utile. Ah, ouais. Ah ouais, parce qu'il n'y a rien de pire quand l'arme s'enraille, c'est chiant. Ouais, c'est ça, ouais. Tu pars faire une mission avec une arme de mauvaise qualité. Là, il y a une petite bouteille. Alors moi, je vais sur le gros magasin à côté, là, le MNP. Ouais, vas-y. Je vais boire la petite bouteille et la jeter. Ah bah tiens, une petite caisse d'armes. C'est une caisse d'armes ou c'est une caisse pour fabriquer ? Caisse à outils d'armes. Ah, t'es au centre commercial ? Ouais. Ok. Je suis parti sur la gauche dans le centre commercial. Une boîte de conserve, merci bien. Une bouteille en plastique, petite. Ah, une pile. Une pile, on en a deux. On peut refaire encore des serrures pour en haut. Une pile. J'ai de la soupe à la tomate par milliers, moi. Qu'est-ce que je peux virer? Allez, la montre. L'argent, on s'en fout. Oui, quand même les clopes, mais. On est en autonomie de thunes, nous, là, pour le moment. Ouais, on est large. Ouais, puis vu qu'on est loin du trader, de toute façon, va falloir qu'on se débrouille avec nos ressources. L'argent ne nous intéresse pas, YouTube, sachez-le. Non, mais on n'est pas là. Quand même à cliquer sur les pubs. Bien sûr. Ça nous arrangerait bien. Abonnez-vous, les gars. Abonnez-vous. Ah ouais. Oula. C'est sur toi que ça tire? Non. Joueur, donc. Hein. Alors, c'est pas MNP, hein, c'est MIR. Ah bon? Ouais. MIR, c'est la paix. Mais je suis pas sûr qu'on trouve la paix là-dedans. Je suis en dessous. Je vais faire un tour chez le notaire. Il y a du joueur, hein. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est même sûr, hein. Ça tire pas sur nous, c'est que ça tire sur un joueur. Ouais, mais ça tire vers la gare du Nord là-bas. Je pense que ça devrait assez vite arriver sur nous. Pour exclu. T'as fait l'étage? J'y suis là, mais ouais. Y a des vers de pêche, hein, si jamais tu veux pêcher. Ouais, on va pas s'emmerder avec ça. Non.
On a une pelle à la maison. Par contre, faut avoir une pelle, hein, parce que si t'as plus de pelle, c'est fini on la a fête. Une bâche. Ah ben non, on a déjà le collecteur d'eau. Ouais, on a tout ce qu'il faut. Donc. Bon, je reprends ma fouille, mais fais gaffe, hein. Ouais. Un petit truc à becter. Des montres. Si tu veux qu'on foute avec des montres. Ils sont disponibles, difficiles. Je sais pas où que c'est, ça. Ça serait bien que ce soit sur Kamensk. C'est loin. C'est toi qui viens vers moi ? Non. Bah, ça dépend, là je saute. Oui, 20 mètres, ça doit être toi. Ouais, c'est moi, je suis de l'autre côté du mur. Ok. J'ai une. Oh, je sais pas quoi jeter maintenant. Oh putain, j'ai un poiscaille, une lune. Qu'est-ce que je peux. Qu'est-ce que je peux craft, ça. T'as des rags en trop ? J'ai de la vodka si tu veux te faire désinfecter. Ouais, je l'ai zappé la vodka. J'en ai moi, si t'as beaucoup de rags ou pas ? Non, non, j'ai que des rags ouais, en des bon bons. État. Ouais, ouais, enfin, ouais. Oui, les blancs. Ça m'arrange pas. Attends, je vais te donner la pile. Ouais, je suis là. Voilà, est-ce que tu peux stocker. Qu'est-ce que tu veux à la je place sais pas. T'as de la thune sur toi Non, bah non. Non. Que je fasse avec de l'argent, moi. J'ai deux places de libre. Ouais, donne une gourde. Ah, voilà. Merci. Voilà. Je te dis, on fera un stockage de gourdes parce que ça vaut la peine d'en avoir toujours 5-6 d'avance quand on part. On en prend deux et puis. Et après, on mettra des bouteilles en plastoc si on trouve des bouteilles en plastoc. Qu'est-ce que t'as perdu ? Il y avait une conserve, merde. Ah bon ? Pas vu. Une conserve d'ananas, je l'ai pas ramassée. Pas fou. Pas vu. Là, il y a quoi ? Des vers de pêche, ouais, on s'en fout. Du fil de pêche, on s'en tape. Sûr qu'elle est là. La conserve, j'ai dû la reconnaître la à travers le mur, non ? Là, il y a une cuisse de. Oh putain. Oh, il y a encore une pelle. Tu sais quoi, je vais la prendre en secours. Bon, par contre, là, va falloir qu'on rentre à la messe parce que on commence d'être bien rempli. Ouais. Ouais, donc du coup, on zappe la zone où il y avait la. Bah, il n'y a plus rien de toute façon. Bon, si, on peut descendre, c'est sur notre route, hein, on s'en fout. Hein. Si on prend le pont des suicidés, là, en face de nous. Si on peut empiler avec ce qu'on a déjà. Putain, mais il est vilain ce poisson, c'est une lotte, il est dégueulasse. Vieille la lotte. Je vais manger ma cuisse de canard, ça me fera une place de plus. Allez. Ouais, ou quand tu veux. Plein sud. On tente. Allez. Ça passe pour le moment. J'ai pas fait le magasin qui est là, tiens, on peut le faire sur la route. Oh. Oh, ça tire. Ça tire pas sur nous. Je sais pas si ça tire sur. Ouais, c'est passé pas loin si c'est pas sur en, nous. En ouais, haut. Si. Ouais, ils sont en haut. Ah, mais c'est des PNJ ? Ouais. Oh, laisse-les. Hein. Au pire. Mais je sais pas si ça tirait sur nous à la base. Bah, moi, ça tire pas loin de moi, toujours est-il. Je suis en train de fouiller, moi, un magasin. Là. Ouais, il me tire dessus, là, le fumier de PNJ. Ah, oh, mais ça n'a aucun respect, ces mecs. Bon, où ils sont, ces coyotes, ah, là? Ils commencent à nous courir, là, non? Ouais, il y en avait là-haut aussi, je crois, mais c'est pas grave. Ouais, allez, vas-y, y'a rien dans le magasin, là. Le magasin est vide. Bon, par contre, on s'est peut-être un peu fait repérer avec les tirs, là, mais bon. Ouais. On va faire gaffe sur le pont, là. Est-ce qu'on a de l'adhésif pour réparer les bateaux? On s'en fout. Et c'est tout. Eh bah ouais, le pont c'est le pont quoi. Ouais, je vois personne qui le guette. Oh. Et dans Big White, là, le grand immeuble blanc. Au cas où si on en tire dessus, il faut sauter direct dans l'eau. Ouais, ça va pas être simple. Bah pour l'instant il n'y a pas d'eau donc on mieux pas sauter mais. Ouais c'est ça, je vois pas de bateau par contre. Ah y a un bateau, si y a un bateau à gauche là. Pas bon? Juste là ouais. On le prend? Bien sûr. Puis on rentre direct, oui, vas-y, allez.
Et si on tombe où il n'y a pas d'eau, on meurt. Fais gaffe, on a touché le fond. Ouais, ouais, non, moi je suis tombé juste à côté. Ouais, j'ai fait un plat, merde, je suis à 35 PV, c'est quoi ça? Ah ouais, ouais, non, ça c'est pas bon ça. Sérieux, le mec il fait un plat quoi. C'est n'importe. Ça peut arriver. C'est bon? Vas-y, vas-y. Putain, bordel de merde, y'a qu'à moi que ça arrive ça. Ça peut arriver. Bon, ça va. Rentrons à la maison. Sur cette. C'est sur ce pont-là ou c'est l'autre pont? Je me souviens même plus. On passe souvent en bateau quand même. Hein. Ah si, c'est ça. On utilise beaucoup le bateau hein, sur cette. Ah, quand on a une base Lacus, c'est mieux. Hein. Ouais, bah ouais. S'il y aura des voitures, on se mettra sur l'autoroute. On a, ouais, grave. On a un peu plus de chance à les trouver en plus. Ouais, il y a des spawns, heureusement. Tu vois, on a le premier voisin en haut là. Et on a un deuxième voisin 300 mètres plus loin sur la gauche. D'accord. Voilà. Et alors, petite dédicace à Timour et son collègue. Ce n'est pas une base pourrie. C'est une base novatrice en matière d'architecture, lui, Lacus. C'est tout ce que j'avais à dire. Mais qu'ils y viennent, non mais... Oui, regarde, bon, bah, il nous manque une porte, évidemment. Mais au moins, on peut rentrer super vite, maintenant. Et très bien, notre base. Est très bien, c'est conceptuel. Voilà, c'est spécial. Ouya, ouya. Et donc, tu ne peux plus poser. Alors, attends voir, je vais essayer de essaye, voir. Essaye, si tu veux, mais moi, j'y arrive pas. On a laissé les outils à l'étage. Hein. Oh putain, faut qu'on refasse un coffre. Je vais m'en préoccuper. Je vais poser un coffre dans cette pièce là. Alors. Ah, B. Mais j'ai pas de pièce de. Y a rien à réparer là-dessus. Faudrait un coffre. Ouais, ici aussi quoi. Pour les pièces d'armes. Oh, les marteaux, on en a ouais, trois, mais c'est pas un peu abusé. Oui. Ah merde, il me faut un marteau, bien sûr. Là-dedans. Attends, mais je vais faire un coffre à côté. Ouais, bon, il y a beaucoup de bois aussi, il faut dire. Ouais. Attends, ouais, je mets ça et je prends un marteau. Non, vire pas le bois. Je suis en train d'en faire un autre de coffre. On rangera au fur et à mesure. Un coffio qu'on va mettre ici même. J'ai pas pris les coups. Pourquoi je peux pas le. Qu'est-ce qui. Ah ouais, d'accord. Bon, voyons voir cette affaire. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Des clous. Bah ouais, c'est le bordel. Oh merde! La caisse dépasse de l'autre côté. Non mais ça c'est pas bon ça. Et si je désassemble, est-ce que je vais perdre des trucs là? Elle est pas finie la caisse. Je crois ouais. Bon alors je la fais comme ça, tant pis. Ça peut pas se clipser ce truc. Bon après c'est conceptuel. C'est pas la bonne porte en fait, si. Il faut faire celle-là avec serrure, la double porte, la grande double porte. Non, ça bah voilà. Ah ouais, d'accord, c'est intéressant. Comment qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on peut mettre un truc comme ça, non? Est-ce qu'on peut... Ouais, on peut rien en fait. Non, on peut pas faire grand-chose. On peut rien, on est comme des cons. Parce que celles sans serrure, on peut pas non plus. Ah si, celles sans. Alors celles sans serrure, on peut. Ah bon? Ah non, on peut pas. Non, non, on peut pas. Non, non. Non, c'est vert, mais. Ouais, d'accord. Alors, c'est ce qui vert, me semblait. Mais c'est au milieu de nulle part. C'est quoi cette connerie? Ah non, c'est parce que je suis en dehors. Ouais. C'est parce que je suis en dehors. Ok. Est-ce qu'on pourrait pas, par contre, mettre ça au pire des cas? Je vais mettre, par contre, je vais mettre la canne à pêche là-bas. Non, ça veut pas. Mais c'est de la merde! Mais oui, mais on est cravaté là. Tu penses qu'il faut retirer le bloc complet? Ouais, mais pour retirer le bloc complet, faut retirer ce qu'on a au-dessus. Ouais, c'est, c'est faisable, hein. Je veux dire, un jour où c'est calme, je pourrais m'en occuper, hein. C'est pas la question, mais bon. Ok. Je vais mettre un marteau ici.
On va prendre des boîtes de conserve ici. Ok, 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 d'accord, 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 d'accord. Les feux putain, les feux de camp. Les feux de camp, ils dépopent super vite, hein. Qu'est-ce que ça fait? Bah, je voulais faire un truc, mais. J'ai même essayé, tu sais quoi, j'ai démonté ça pour voir si ça dérangeait. Et tu sais, j'ai posé le. J'ai essayé, ça voulait pas, donc j'ai remis ça, tant pis. Mais là, il n'y a pas moyen, on peut pas construire ici, il veut pas, il nous emmerde. Alors, soit il faut démonter, voilà, les deux planchers qui sont au-dessus, peut-être, peut-être que ça dérange, c'est possible. Sinon, on fait ça, non? Ouais, on... ouais, non, parce que les mecs peuvent passer quand même. Ah bah non, ils peuvent pas passer là. Hein. Ouais, mais de toute façon, c'est fermé, c'est pas fermé à clé de l'autre côté. Hein. Ouais, après, tu peux faire ça, ça se démontera, oui, c'est possible. On aura quand même un morceau qui sera bouché. On pourra le démonter en temps voulu si besoin. Je sais pas si je peux mieux le caler. Non, non, parce qu'après, t'es en limite de base. Non, non, mais le mettre plus bord à bord. Ah ouais, je sais pas. Je vais remplir des gourdes, tiens, tant qu'on est là. Comme ça. Des bonnes gourdasses. Ah, oh, c'est chiant la construction des fois sur ce jeu, je vous jure. Quand ça veut pas, ouais. Alors. Hop là. Ok. Prenons de l'eau. Alors après, ça dépasse de la zone, mais du coup, je ne peux pas couvrir tout. C'est très con, mais bon. Ouais, c'est vrai. Ouais, je crois qu'il n'y aura pas moyen de faire mieux. Hein. Ah, peut-être que si, en fait. Il y était, il y a deux secondes. Ah, putain de jeu. La trompe de touche et... Voilà, on se fait... C'est exactement pareil, on voit un peu l'intérieur. Ouais. Ouais, j'ai rempli deux. Allez, ça m'emmerde. Ouais, laisse tomber, je regarderai voilà, ça. Voilà, j'ai validé. Je regarderai ça, oui, non mais... Alors, les gens ne peuvent pas passer, ils peuvent... Voilà, ils peuvent nous voir. Ouais. Au pire, s'ils ont envie de nous voir, ils peuvent venir nous voir. Je vais ranger les gourdes. Ils ne peuvent pas rentrer dedans. Non, c'est déjà une bonne chose. Dans la truc à gourdes. Voilà, on a 4 gourdes d'avance. Et de la bouffe. Nickel. Donc le coffre là, c'est pourquoi? Bon, plutôt ce qui est bouffe, truc dans le genre. Ouais. Ouais, bon, par exemple. Hein. Là, non, là. Mais bouffe diverses et variées. Je vais remplir les gourdes. Bah, j'en ai rempli. Elles sont pleines? Non, mais moi j'en ai, ouais. Ai une qui est pas remplie. Enfin, ouais, vas-y. Sur la bouteille. Prends, remplis tout. Tant qu'à faire. Qu'est-ce qu'on a de beau là? Pff, on a rien, il faut aller au port. Pourquoi il y a quoi au port? Bah, il y a une T3. Ok. Par contre, c'est dans la partie merdique du port. Voilà. Un pec. Ok, bon. Très bien. Le poisson, je le remets aussi, le poisson. Ouais, tu peux. Ouais. J'ai pas... Ouais, non, j'ai pas faim pour l'instant. Moi, je suis à 71, puis, ça va. Est-ce qu'on mettrait pas aussi ce qu'on veut vendre? On peut le laisser dehors, ce qu'on veut vendre. Dehors où? Bah, dehors, la caisse qui reste dehors. Ah ouais, mais elle est chiante, faut accéder... Ouais, mais c'est ce qu'on vend, on n'y va jamais dans ce qu'on vend. On va pas stocker pour... Ça sert à rien de prendre de la place protégée, je parle. Si les mecs nous piquent des paquets de clopes et des téléphones, c'est pas très grave. Et j'ai pas refermé le truc. Non, non, non. Donc ça va. D'ailleurs, on pourrait fermer la tour à clé. Hein. Oh le bordel. C'est faisable. Hein. Un jour où je m'ennuie, je peux faire une porte avec serrure en bas. Ouais. Pourquoi pas, hein. Et on rajoute encore un étage de tour, et puis voilà. Si jamais des gens passent en bateau, là, nous voir, c'est jamais. Je vais ramener la bouffe et les trucs de réparation. Voilà. On va le garder pour ce qui va être gun éventuellement. Quand on aura enlevé le bois de la caisse là vers l'établi, on pourra mettre les trucs de réparation d'outils, enfin d'armes. Ouais, là il y a des paquets de clopes, il y a des trucs divers. On a de quoi refaire une serrure, c'est plutôt bien.
Les kits pour fusil, là 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 là. Et on n'a plus beaucoup de clous, hein. Mine de rien. J'en ai 95 sur moi. Ah d'accord. Ouais. Merde. Tiens, je les mets dedans si t'as besoin. Ouais, vas-y. Ok, bon bah les petits camarades, épisode de la vie quotidienne sur Deadside. On a fermé ça, je me suis pris une grenade dans le bec. Ça peut arriver, c'est la vie. On n'a pas fait grand chose, mais ça fait partie de la vie sur Deadside aussi, par moment. Donc là, on va voir pour essayer d'aller faire un petit peu de bénéf. On va regarder, peut-être faire une petite T3, ça serait pas une mauvaise idée, hein, après tout. On va y aller en bateau. Et puis on se retrouve très prochainement pour se prendre du plomb, des cailloux, toutes sortes de trucs dans la tête. On n'a pas peur. On y va les gars, en avant les aventures et à la prochaine. Portez-vous bien, soyez prudents et faites gaffe aux grenades. Très mauvais pour la santé ça.